mais c'est pas évident de choisir de la musique parce que finalement, on n'a que l'embarras du choix puisque la musique, par essence, est quelque chose de passionné, enfin, qui est là pour exprimer des choses, donc exprimer des passions, des passions humaines, quelles qu'elles soient. Mais je pense que finalement, toute musique est là pour exprimer une passion. Pour faire un choix pour ces folles journées, c'est vrai qu'il y a des compositeurs qui sont... Bah, on cherche des choses un peu plus emblématiques. Pour mon récital de clavecin, j'ai choisi Johann Jakob Froberger, qui est un compositeur justement qui a une expression très intérieure. Enfin, il n'est pas du tout exubérant, mais il exprime les passions d'une manière, la manière d'un rêve un peu. Enfin, et il exprime des choses assez tristes, assez lourdes, assez. Donc c'est beaucoup des plaintes, des lamentations, des choses pour lamenter la mort d'un roi qui est mort, ou bien une plainte sur le fait qu'il s'est fait voler tout ce qu'il avait sur lui, ou bien il raconte un chemin montagneux. Voilà, c'est une musique très expressive. Mais dans les limites d'un clavecin seul et de quelque chose de... Il faut vraiment presque entrer en transe pour l'écouter. C'est pas une musique où on va se dire qu'est-ce qu'on me prend dans la figure, c'est passionné, c'est plutôt... C'est une écoute intérieure. Et par contre, l'autre programme que je fais, qui est Carl Philipp Emanuel Bach, de concerto de clavecin, c'est des passions beaucoup plus exubérantes. Carl Philipp, qui était un grand compositeur, qui essayait de déclencher les passions chez les auditeurs et chez les musiciens, puisqu'il disait qu'on ne pouvait pas émouvoir si on n'était pas ému nous-mêmes, les musiciens, ce qui n'est pas forcément l'avis de tous les musiciens. Il y a plusieurs façons de voir les choses, comment on crée l'émotion, comment on retransmet, est-ce qu'on doit être ému ou est-ce qu'on doit le vivre au moment où on le... Alors ça veut dire qu'on se met en danger, est-ce qu'on doit être plus froid, mais avoir ce travail qui fait qu'on arrive à retransmettre cette passion. C'est vrai que pour Carl Philipp, lui, il veut qu'on soit ému quand on joue sa musique. Et c'est une musique assez, en tout cas pour les concertos que j'ai choisis, mais c'est une musique assez hystérique. C'est offensif, enfin ça prend l'auditeur, c'est pas du tout comme Froberger qui demande à l'auditeur d'entrer dans un état particulier, ça va le chercher l'auditeur et le prendre comme ça presque par violence, quoi.